fait, ce sont des gens qui ne font pas de la signature. Et dans la même lancée, présenter une nouvelle maison de production. Ça fait une marque. Et aujourd'hui, on a M. Amlo et Dach, le premier artiste qu'on va jouer tout à l'heure. Il sera dans la maison de production. Il y a encore le premier artiste que la maison va jouer. Et dans la même lancée, il est afro, comme vous l'entendez, c'est tout ce qui est art, particulièrement la musique. S'il y a des talents dans d'autres domaines d'activité, par exemple dans l'humour, dans le théâtre, les tangos, la maison est grandement ouverte. Il y a toute proposition, il y a toute discussion à faire. Bien sûr, s'il y a un intérêt, par exemple, si l'artiste intéresse, évidemment, la maison de production, il y aura des discussions dans ce sens. Donc, je ne vais pas trop occuper la parole. Je vais vous passer la parole à M. Amlo. Il va un peu parler de la maison de production et présenter l'artiste. Et après, on va passer à la signature. Bonjour, je m'appelle Amlo Diallo à l'État civil. Je suis Amlo Diallo, acteur culturel résident en Europe, précisément en Allemagne. Et j'ai eu la chance d'être là en venue cette fois-ci. Là aujourd'hui, c'est pour le contrat de production de la nouvelle maison de production du Méhar à Béziers du Art. Alors, comme la liaison, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous savez déjà c'est quoi du Art. Et ce qui m'a beaucoup intéressé d'être là, c'est le fait que du Art aujourd'hui appartient quelque part à la diaspora. Donc, rester une amie sans être là, sans féliciter cela, sans encourager cela. Car la maison de production qui a le financier de PDG réside aux États-Unis, mais représenté ici en Guinée par M. Mamadou Baye Badé, donc voir des îles labels en Guinée se émerger comme ça, je crois que c'est très bon. En tout cas, je suis content d'être là. En même temps, l'artiste Tchernobois Kartela, le jeune frère de Tchernobois, a été le premier à être ciblé par la maison de production, cette maison de production. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être là. Et je sais que cet artiste, avec cette ouverture, il va loin avec ses labels. Et nous, acteurs culturels résidents, ici je parle au nom de tous les acteurs culturels qui sont en Occident, ces arts de collaboration nous permet aujourd'hui de venir au pays et signer des contrats avec des artistes couvertement. Car un artiste qui n'a pas un bon entourage, qui n'a pas un contrat de production, moi pour moi personnellement n'est pas un artiste. Donc je lance un appel et je prie à tous les artistes du monde de faire ça, c'est-à-dire de s'entourer, d'aller taper les portes dans les maisons de production pour être bien entouré. Donc, je n'ai pas trop monopolisé la parole, mais je me limite là pour l'instant. Et on va passer la parole à la maison de production qui va parler. M. Valdé, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, le modérateur est là, c'est à vous. Bonjour, est-ce que vous permettez moi, parce que d'autres sont venus en retard, la maman du Décidatigui qui est là, maman, viens t'asseoir, je vous parle. Il suffit juste d'écouter, vous allez être rapide. La
Monsieur Valdez, comme ça, là, nous avons pu la
c'est pour tous les artistes. Voilà, Araï, la Nodiat, Elimo, la Pop, Kala Fala, Dalila, Samakala, parce que bon le Wonderton, la bonne de la Wonderton, Araï, pour Sadima, pour Kotori, qui a proposé de filmer un pop, Araï, pour Wonderton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je signale l'arrivée d'Antoine Fengo. Fengo, on veut que tu sois là. Voilà, il est là. Donc, c'est mon cousin, il se fait souvent de moi quand il y a un truc qui est en retard. C'est mon histoire. Merci d'être là. Allez les gars. Donc un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. C'est l'inauguration d'un label qui vient de là, qui s'appelle Biarbrot, par la diaspora guinéenne. Donc aujourd'hui, Biarbrot va effectuer le premier contrat artistique qui est Kébou Bouakar, qui est le jeune frère de l'artiste Kébou Mabou, très connu en Guinée. Et ce label est ouvert à tous les Guinéens, sans exception, et ça parle même d'art. Donc, il est venu en retard. Donc, voilà. Là, monsieur le modérateur est là, tous les jours. Si j'ai loupé quelque chose, ça va, ça va. Voilà. Si les invités ont quelques mots à placer. Bon, voilà. Moi, j'ai. On passe. Deux ou trois choses. Ou des questions, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà, moi. Bonjour tout le monde. Moi c'est Gabi Mamadi à l'état civil. C'est vrai que je vous ai pris en marche, mais je suis tombé sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc j'apprécie le grand départ de cette belle maison. Et on dira tout simplement bon vent à la maison. Et bon vent également à l'artiste qui vient de faire, qui va faire tout à l'heure sa première signature. Et moi la seule chose que je demanderai à la maison et à l'artiste, c'est le respect des taux du contrat, dans la compréhension, dans le respect et dans la. Surtout, il faut se faire digne pour avoir la dignité. Parce que sans ça, on va nulle part. On l'a dit tout à l'heure que celui qui veut aller très haut au sommet, il doit être patient. Parce qu'on a vu tellement de gens signer dans les maisons, après, ça finit par des litiges. Donc, ça, c'est l'impatience qui fait ça. Donc moi je vous souhaite bon vent et ça nous fait plaisir. Si un d'entre nous a signé dans cette maison, c'est comme si on avait signé nous aussi. Parce que nous on est des soldats. À chaque fois qu'il y a de nouvelles recrues, on est content. Il est plein de. Voilà, c'est ça. Merci. Moi c'est Antoine Glebo, directeur de Cap Antibes. Disons c'est mon beau réseau, c'est une fierté, ça fait plaisir. Il n'a pas la chance, en fait, c'est pas tout le monde qui a la chance de tous ces gens-là. Il y a aussi la chance de signer avec tous les gens de production, c'est des gens, c'est pas parce qu'ils avaient des résultats. Ils ont travaillé dur, ils ont pensé à venir faire quelque chose. Avec tout ton talent, s'il n'y a personne derrière, s'il n'y a rien derrière pour te mettre en valeur, tu ne peux pas aller. Tu vois? Donc quand tu arrives à un certain niveau, n'oublie pas ces personnes-là qui vont aider à avoir ce départ, ce bon départ. Un moment va arriver où tu vas vraiment percer, on le souhaite vraiment, que tu sois vraiment à la lune. Tu vois, mais non, jamais ce jour-là. Si aujourd'hui, moi j'ai de très bons rapports avec beaucoup de personnes. J'ai de très bons rapports avec Bénédicte Lefort, avec plein de gens. C'est parce que j'ai su, tu vois, gérer ce côté fraternel au-delà du contrat, au-delà du professionnel, au-delà de tout. J'ai su gérer ce côté fraternel. Quand tu les prends comme tes frères, tu les comprends comme leurs frères, tu vois. Même après ce papier, beaucoup de choses sont oubliées. Vous allez faire d'autres affaires ensemble, ils n'ont rien à voir avec la musique. C'est ça. Moi je n'ai rien à les apprendre parce que quelqu'un qui a quitté le pays, il sait ce qu'il a traversé avant de penser d'abord avant de gagner quelque chose. Et s'il a pensé à revenir investir ça au pays, c'est que déjà le respect ça va. Donc je n'ai rien à leur dire. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est bon vent et il faut vraiment compter sur nous tous.
soutien moral. On va utiliser toutes nos petites relations pour pouvoir booster ici à Fort-Louis grâce à Ambro, bien sûr, à notre réseau. En tout cas, partout où moi, les deux sont impliqués, ça, je peux dire que je suis impliqué. Donc, à 100%, on va soutenir. Ça, vous raison. Merci.